pas trop. Attendez-vous à nos campagnes, ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorgés. Formez. En marchant, c'est souffrant, tu sais. Elle respecte tout, Nico. Moi,
pas. Fin de vlog, du coup c'est le 10 septembre, il est minuit 10 et je viens juste de rentrer chez moi, donc ça fait un moment déjà qu'on s'est pas retrouvé sur ma chaîne, ça doit faire 2-3 mois, la dernière fois c'était pour le concert de Maroon 5, j'ai pas fait de vlog cet été pour une raison assez évidente, c'est que je suis pas partie en vacances, bon, je suis partie en vacances mais je suis partie chez moi dans le Périgord. Et comme vous le savez, en fait, quand je filme dans ma famille, quand je suis, pardon, dans ma famille, je ne filme pas pour des raisons que vous connaissez. Donc du coup, j'ai pas fait de vacances dans une autre destination. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vlog en fait cet été. Les vlogs à Paris vont reprendre tout doucement. J'ai filmé quelques plans quand je me suis promenée il y a 2-3 semaines, mais que je vais mettre dans une autre vidéo parce que j'avais pas assez de matière pour faire un vlog. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir de refilmer, de revloguer, ça me manque. Je vais essayer de reprendre un rythme comme j'avais avant, à peu près 2 vidéos par mois. Il faudrait que je m'impose un certain nombre de vidéos ou que je fasse plus de promenades dans Paris. En tout cas c'est super de recommencer, ma chaîne n'est pas morte, hein, je ne l'avais pas laissée à l'abandon, parfois j'y vais, je checkais les KPI, mais non je suis toujours là, c'est juste que voilà, cet été ça a été un petit peu plus calme, j'avais plus envie de profiter de ma famille que de filmer ce que j'étais en train de faire, clairement j'ai fait un petit peu aussi... comment on appelle ça, une coupure de tout ce qui était un petit peu réseaux sociaux parce que bon, on est quand même pas mal dessus, donc du coup c'était assez intéressant de voir ça et surtout de profiter de ma famille, donc voilà, donc là tout ça pour vous dire que je vais revenir tranquillement sur ma chaîne, je vous dis pas quand parce que clairement à chaque fois que je dis quelque chose il y a toujours quelque chose qui se passe, ça se passe pas comme prévu, donc voilà, j'espère qu'il y aura une autre vidéo en septembre mais je suis pas sûre. En tout cas, il y aura pour sûr un gros vlog en octobre parce que je vais faire un voyage sur un week-end. Donc, je vais vlogger. Donc, mi-octobre, il y aura un vlog, c'est sûr. J'espère qu'il y en aura un autre avant sur Paris, mais je vous garantis rien. Voilà, en tout cas, je suis très contente du coup de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé du coup le match France-Andorre. En toute honnêteté, j'ai trouvé ce match très mou. Même si on a gagné 3-0, c'était pas le match hein, de l'année ni du siècle. Mais bon, voilà, ça m'a fait du bien d'aller au Stade de France.
de revoir l'équipe de France. Je ne sais pas si je suis allée d'ailleurs cette année. Je suis en train de me poser la question tout à l'heure. Je crois pas. Mais voilà, pour une reprise, on va dire en douceur, tranquille avec l'équipe de France, on a gagné, c'est le principal. Comme dirait Didier Deschamps, ce qu'il compte, c'est le résultat. Donc voilà, mais sinon après, c'est un petit peu mou en vrai. Mais voilà, ça a fait passer la soirée, c'était cool. Voilà, sinon j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Écoutez, bah, restez connectés parce qu'il va se passer des choses dans les semaines et les mois à venir sur la chaîne. J'ai des idées aussi de vidéos face caméra. J'ai quatre idées de vidéos pour être précise. Faudrait que je prenne le temps de les filmer parce que ça va être des vidéos, je pense, un petit peu longues parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ces quatre sujets en question. C'est des sujets plus ou moins sérieux, ça dépend. Mais voilà, il va falloir que je prenne le temps. J'aimerais bien les faire avant la fin de l'année 2019 et peut-être début d'année 2020, mais vraiment début genre fin janvier. Voilà. Pareil, je mets pas de deadline parce que il se passe toujours des trucs imprévus dans la vie, donc on peut jamais vraiment savoir. Donc je verrai. Mais en tout cas, oui, c'est quatre sujets qui me tiennent à cœur et j'ai envie de parler. Un sujet un petit peu plus délicat que les autres, donc je sais vraiment pas si je vais faire cette vidéo. On verra. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regardez ce vlog et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!